ce magazine Campus avec la visite des chefs de délégation en Corée du Sud à la veille des Universiades de Gwangju. Rencontre avec Alexander Smith, archer britannique d'Oxford. Enfin, nous irons à Sochi où se tenait le salon Sport Accord et nous rencontrerons Gabriela Szabo, championne olympique devenue ministre des Sports de son pays. Le 3 juillet prochain, à Gwangju, en Corée du Sud, 12 000 athlètes venus de 170 pays se retrouveront pour les universiades d'été. Une réunion a donc eu lieu en avril pour préparer ce grand rendez-vous. L'occasion pour les délégations de visiter les différents sites où se dérouleront les épreuves. C'est une autre marche franchie pour les chefs de délégation. Ils ont la possibilité de visiter les infrastructures, les sites qui accueilleront les Jeux, de visiter le village et d'avoir les informations sur les services qui seront proposés aux équipes pendant les universiades. Près de 110 délégués venus de 51 pays ont recueilli les informations nécessaires concernant les transports ou encore l'hébergement. À moins de 3 mois de la cérémonie d'ouverture, ce meeting a permis de rassurer un peu les personnes présentes. On veut toujours savoir comment les sites fonctionnent, les transports, comment cela fonctionnera pour les personnes accréditées. On a fait ça de nombreuses fois et le comité d'organisation y est attentif. Il semble que tout soit fluide. Premier site visité, le stade de baseball. Un choix loin d'être anodin puisque le baseball est le sport le plus populaire en Corée du Sud et l'équipe de Gwangju est l'une des plus titrées du pays. Après avoir découvert les lieux où se dérouleront les différentes épreuves, les délégués ont une idée plus concrète de ce qui les attendra cet été. Ça nous donne l'occasion de toucher un peu du doigt ce qui va se passer pendant les Jeux et après on peut faire un compte-rendu à nos managers et leur fournir des informations comme l'arrivée, les départs ou encore le village des athlètes. Et puis nous verrons également tous les lieux dont on pourra en parler aux athlètes. Les organisateurs des prochaines universiades ont mis l'accent sur le respect de l'environnement et ont donc rénové de nombreuses infrastructures. 3 ont été totalement créées pour l'occasion, à l'image du Centre aquatique international de l'Université de Nambu. Autre nouvelle construction, le gymnase qui accueillera notamment la gymnastique artistique ainsi que la GRS. Après leur passage, beaucoup de délégués étaient impressionnés et notamment M. Wang Gang, représentant de la Chine. Je peux juste dire que le comité d'organisation a fait beaucoup d'efforts pour la préparation. Tous les sites que nous avons vus sont bien avancés et à de très bon niveau. Nous pensons qu'avec ce type d'infrastructure de top niveau, l'organisation de cet événement sera un succès. Gwangju est la 3e ville sud-coréenne à accueillir les universiades. Moju et Jeonju avaient co-organisé les universiades d'hiver en 1997, avant que Daegu n'accueille les universiades d'été en 2003. Cette année, la réduction des coûts et le confort des athlètes sont une priorité pour Gwangju, mais concilier les deux est parfois difficile. Actuellement, le village n'offre pas encore toutes les garanties. Notre principal sujet est le même que celui des chefs de délégation. Maintenant, ils visitent le village et ils ont pas mal de préoccupations sur leur logement. Ils veulent être sûrs d'avoir tous les équipements, qu'il y aura de la climatisation. Et lorsqu'ils ont visité certains sites, ils ont été assez surpris de découvrir que certaines installations avaient besoin d'être rénovées. Le gymnase de l'université de Gwangju, qui accueillera les premiers tours de la compétition de basket, fait partie des structures actuellement en rénovation. Le parquet du site de Volet n'a pas encore été posé et plusieurs sites ne sont pas encore totalement prêts. Le 3e site, créé de toutes pièces pour ces universiades, est également encore en chantier. Il s'agit du site de tir à l'arc. Un retard qui pourrait avoir des conséquences importantes sur l'organisation des Jeux universitaires. C'est pourquoi le directeur des universiades d'été, Mark Vandenplas, a tenu à tirer la sonnette d'alarme. C'est très important que tout soit fait très vite parce que les directions de site ont besoin de prendre possession des lieux aussitôt que possible. C'est la clé du succès. Le temps est en effet compté. Il reste moins de 3 mois avant le début des festivités. Pour le comité d'organisation, il est urgent de terminer les travaux sur les différents sites. Certains s'interrogent, d'autres préfèrent rester positifs, à l'image du Britannique Andrew Hibbert. Je suis tout à fait confiant sur le fait que nous allons être prêts, comme prévu, dans les temps.
En 2002, Guangzhou a accueilli le plus grand événement sportif mondial, à savoir la Coupe du Monde de football. Et c'est dans le même stade qu'auront lieu les cérémonies d'ouverture et de clôture des Universiades. Le chef de la délégation russe semble très satisfait. À propos de ce stade, je pense que les organisateurs des Universiades font de leur mieux. Tout sera fini. Ils sont en train de travailler sur ces détails que nous avons vus qui n'étaient pas encore finis. Ici, il y a un certain nombre de réparations à faire, des finitions, mais je pense que ce sera un site de très haut niveau. La Corée a une grande expérience de l'organisation des Universiades et des Jeux Olympiques en 1988. Je pense qu'ils vont relever ce challenge et tout sera très bien. Поэтому я думаю, справятся они, и все будет хорошо. Nom Hong Jae-hong, signe particulier, championne olympique de handball en 1992 à Barcelone et championne du monde en 1995. La Coréenne se réjouit à l'idée d'assister aux Universiades. C'est la première fois qu'on accueille les Universiades et je suis ravie que notre équipe y participe. Can be in this Universiade. And I hope that many people come to the hall and see how Hamburg is et qu'elles pourront voir à quel point le handball est un sport amusant, mais également un sport très intense. Dramatic sports. Durant la réunion d'avril, Hong Jae-hong a également assisté au tirage au sort du tournoi de handball. Une participation qui reflète la popularité du handball féminin en Corée du Sud. Et ça tombe bien, puisque Hong Jae-hong a eu la main particulièrement chanceuse. La phase de poule ne devrait donc pas être trop dure pour son équipe. On est tombé sur le Japon et la Chine, qu'on connaît bien, mais pour l'Ukraine, je ne sais pas trop. On a souvent joué face aux Japonaises et aux Chinoises, donc on connaît leur niveau. Je pense que notre groupe ne sera pas trop difficile. Du côté des hommes, les Portugais, champions universitaires l'an dernier, sont tombés dans le groupe B. Dans le groupe C, on retrouve leur plus gros rival, à savoir le Brésil. Et attention, les Brésiliens sont remontés comme des coucous à l'idée de pouvoir prendre leur revanche. Nous sommes les finalistes, nous avions perdu contre le Portugal, nous avons préparé notre équipe pour cette compétition des Universiades. De son côté, la Russie a écopé du groupe B, celui du Portugal, tandis que les États-Unis retrouveront la Serbie, médaillée de bronze à Kazan, ainsi que le Brésil, la Turquie, le Chili et la Suisse. Jonas Craig de la délégation américaine ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Nos garçons jouent ensemble dans la même équipe universitaire, l'université du Kansas. Nous allons voir comment cela se passe car c'est une nouvelle manière de faire que nous expérimentons pour la première fois. Un coup d'œil sur le tirage au sort du football masculin. La Corée du Sud a rendez-vous avec le Canada, l'Italie et la Chine de Taipei dans le groupe A. Vainqueur à Kazan et logiquement favorite, la France est tombée dans le groupe B, tandis que le Brésil, autre gros client, se trouve dans la poussée. Côté féminin, les tenantes du titre brésiliennes devront être très vigilantes face à la Chine, à la Pologne et à la Corée du Nord, mais le délégué national reste confiant. Notre équipe féminine est très bonne. Nous avons 3 ou 4 joueuses de l'équipe nationale. On devrait pouvoir jouer la victoire finale. Vainqueur du tournoi de volley à Kazan, les Russes retrouveront Taipei, l'Ukraine et la Chine. Médaillé d'argent, le Brésil affrontera le Japon, les États-Unis et la Finlande dans le groupe C. La Russie a toutes les qualités pour conserver son titre, mais mieux vaut rester prudent. C'est difficile de prévoir comment les équipes joueront sur cette édition en fonction seulement des résultats des Universiades précédentes. Il y a 2 ans, la Russie avait fait coup double puisque les hommes s'étaient eux aussi imposés face à la Pologne. Cet été en Corée, ils seront donc favoris pour le titre. Après la pause, vous ferez la connaissance d'Alexander Smith, étudiant à Oxford et surtout passionné de tir à l'arc.
Nous partirons à la découverte d'Oxford, une université qui compte dans le monde du sport universitaire et mondial. La Fédération internationale du sport universitaire rassemble des millions d'étudiants du monde entier autour des mêmes valeurs, l'excellence du corps et de l'esprit. Des milliers d'étudiants, des centaines d'universités participent aux événements FISU, le rendez-vous des meilleurs athlètes étudiants. Star aujourd'hui, leader demain. J'espère réussir de belles choses au classement général et dans mes duels. Je veux faire une belle compétition et avoir une médaille. Et si ce n'est pas le cas, finir au moins dans les 16 premiers. Nom Smith, prénom Alexander, statut étudiant à Oxford et l'un des meilleurs archers en Grande-Bretagne. Objectif d'Alex Smith, s'illustrer lors des prochaines universiades de Guangzhou l'été prochain. Je sais que c'est la deuxième plus grande compétition au monde. Je sais que le niveau est aussi très relevé dans ces universiades, qui sont les plus cotées après les Jeux Olympiques. Et pour le tir à l'arc en particulier, c'est un grand honneur d'y participer. Je sais que c'est une expérience géniale, et ce sera ma première expérience dans une compétition multisport, et pas uniquement une compétition de tir à l'arc. Alex Smith a débuté le tir à l'arc à 14 ans et a rapidement intégré le Centre national d'entraînement avant de rejoindre la prestigieuse université d'Oxford. Je pense que c'est extrêmement dur d'être un top athlète dans ce genre d'université. Le niveau scolaire est très exigeant. Cela vous prend 9 heures par jour en bibliothèque pour préparer vos cours, lire, travailler. Comme pour le sport de haut niveau. Le niveau est exigeant au niveau personnel. Il faut se pousser. Vos semaines et votre sommeil deviennent un vrai challenge. Et il faut se faire violence pour gagner. Levé chaque matin à 6h30, Alex s'entraîne 3 ou 4 heures avant de rentrer chez lui pour déjeuner et ensuite étudier jusqu'à 21h. L'implication mentale et la concentration sont deux qualités indispensables pour être un bon archer. Le principal obstacle quand vous débutez un sport technique, c'est de commencer à prendre du temps pour acquérir et reproduire les gestes techniquement appropriés. Quand tu as atteint un certain niveau et que ta technique est développée, il faut contrôler l'aspect psychologique. Il faut s'entraîner pour aborder l'approche mentale, pour tout coordonner en même temps. Parce que si tu fais tout bien dans ta tête, ton corps va suivre. Donc si tu veux vraiment viser le cœur de la cible, il faut être extrêmement précis dans sa tête. Je pense que la chose la plus importante, c'est le contrôle de l'esprit. C'est de refaire les mêmes choses et de ne pas perdre patience après avoir raté un tir. En Grande-Bretagne, Alex connaît bien ses adversaires, mais attention, en Corée du Sud, il découvrira totalement ses concurrents. Ce qu'il faut connaître, c'est leur réputation. Nous savons par exemple que les Sud-Coréens sont l'une des meilleures nations du tir à l'arc, que les États-Unis sont toujours forts, que la France est l'une des meilleures nations. Tu sais que si tu tires contre ces nations, les athlètes qui les représentent seront forts. De toute façon, il faut prendre chaque adversaire de la même manière et le battre. Il faut faire ce que l'on peut. Si l'Angleterre est une nation très réputée en tir à l'arc, la pression devrait être grande pendant les Universiades. Je pense qu'à Oxford, tu es en quelque sorte responsable de la réputation de l'université. Je pense que c'est encore plus vrai à l'échelon international et qu'aux universiades, les gens vont demander « qu'est-ce que tu étudies ?» ou « ça ?» Et quand tu réponds « Oxford », les gens vont dire « il va falloir être au niveau alors ». À cause de cela, tu représentes l'université et il faut le faire de la meilleure manière, cela est très important. On a un tel héritage partout dans le monde et depuis si longtemps. C'est donc pour toutes ces raisons que les universiades de Guangzhou sont un rendez-vous primordial pour la carrière d'Alex Smith.
Personnellement, c'est important. C'est probablement la compétition la plus importante dans laquelle j'ai jamais été engagé jusqu'à maintenant. Donc, si j'y vais, ce sera un grand honneur de représenter mon pays au niveau universitaire, particulièrement cette année où je termine mes études. Ce sera génial de finir comme ça. Et ensuite, j'aimerais pouvoir un jour participer aux Jeux Olympiques. C'est un projet génial. La ville d'Oxford possède l'un des établissements les plus réputés au monde. Créée en 1116 exactement, l'université d'Oxford est la plus ancienne d'Angleterre et même la plus ancienne du monde anglo-saxon. Elle est répartie dans plus de 68 collèges rassemblés pour la plupart dans le cœur de la vieille ville où plus de 22 000 étudiants viennent chercher des diplômes parmi les plus prestigieux du monde. C'est très international. Nous avons 120 nationalités différentes à Oxford. Nous avons eu un des derniers présidents américains, certains premiers ministres de nombreux pays dans le monde. Oxford a en effet accueilli plus de 30 personnalités mondiales dans les domaines des arts, des lettres ou encore du spectacle. Oxford, c'est également 36 premiers ministres et plus de 50 prix Nobel. De quoi bâtir une solide réputation à l'établissement. Je pense qu'Oxford est d'abord une institution académique, concentrée sur l'excellence universitaire et académique. Mais le sport est pratiqué à très haut niveau individuellement par les étudiants qui viennent ici. Et historiquement, de nombreux athlètes célèbres sont venus d'Oxford. Le sport ici a très souvent marqué l'histoire mondiale. Derrière John Bolland, premier champion olympique britannique, Oxford, c'est 158 médailles olympiques et des champions pour de très nombreux pays. Les personnalités ne manquent pas. L'Américain Eddie Egan, seul champion olympique aux Jeux d'hiver et d'été en bobsleigh et en boxe anglaise, vient d'Oxford. Mais la figure emblématique du sport à Oxford reste Roger Bannister, premier athlète à avoir couvert le mile en moins de 4 minutes. Je pense que c'est parce qu'il a fait tomber la barre des 4 minutes sur le mile. C'était très romantique et cela a eu un retentissement mondial parce que des gens avaient écrit pendant des années que c'était physiquement impossible de descendre sous cette barrière. Le fait qu'il y arrive sur la piste de son club et de son université, de l'université dans laquelle il étudiait, cela a touché beaucoup de monde, leur imaginaire, et que finalement, cela disait que tout était possible. Aujourd'hui, ce qui fait la fierté d'Oxford, c'est une compétition d'aviron unique au monde entre les universités d'Oxford et de Cambridge. Je pense que le plus célèbre de tous, c'est en aviron la Boat Race, une course vue par plus de 6 millions de gens chaque année. Oxford-Cambridge est devenu un haut fait de la compétition universitaire. Oxford-Cambridge, l'événement le plus ancien de l'histoire. Officiellement créée en 1829, la course offre depuis 186 ans de superbes confrontations entre deux prestigieuses universités. La Boat Race est donc la course de l'année en Grande-Bretagne et même dans le monde entier. Actuellement, c'est Cambridge qui a l'avantage avec 81 succès contre 79. Après 186 années de tradition britannique, une petite révolution a eu lieu en 2015. Pour la première fois, les femmes ont participé à la course avec leurs homologues masculins. Si les femmes prennent part aux compétitions depuis 1927, elles l'ont toujours fait de leur côté, à une autre date et sur un parcours différent. Mais cette année, elles ont évolué le même jour, sur le même plan d'eau et sur la même distance que les hommes. Devant près de 300 000 spectateurs et 600 millions de téléspectateurs, l'équipage d'Oxford a devancé les Cambridgeoises pour décrocher une 11e victoire en 15 ans. Si Cambridge mène les débats, cette année, Oxford a réalisé le doublé chez les femmes et chez les hommes. Le président de l'université, Constantine Louloudis, est donc un homme très heureux. Quelle année incroyable! Vous savez, pour nous, c'est le jour le plus merveilleux, marqué par cette occasion historique. Je suis fier du club universitaire féminin d'Oxford. Je suis ravi pour les Blues et cette équipe qui a gagné avec style. Et pour toutes les équipes qui gagnent, je suis si content, c'est merveilleux. Je suis
Si la boat race attire les foules, Oxford et Cambridge s'affrontent dans bien d'autres domaines. La liste est en effet plutôt très longue. Le plus grand duel reste évidemment la course d'aviron, mais il y a aussi le rugby à Twickenham. En fait, il y a plus de 190 confrontations par an dans 50 sports différents. Oxford regroupe 87 clubs sportifs et permet donc à ses 22 000 étudiants de compléter leur scolarité avec plusieurs disciplines, et ce, à tous les niveaux. L'université met également à leur disposition un personnel administratif ainsi que plusieurs coachs, de quoi faire naître des vocations. Le nombre d'étudiants est de 2500 au niveau universitaire, 600 athlètes au niveau lycée. Je pense que l'on approche les 10 000 qui pratiquent un sport dans les clubs, les gymnases, les piscines. On peut dire que 50% des étudiants sont impliqués dans le sport. Paradoxalement, le sport n'est pas une priorité à Oxford et les étudiants doivent impérativement privilégier leurs études. Alors, je pense que la priorité absolue, c'est nos résultats académiques. Donc si jamais on commence à avoir de moins bons résultats, on va tout de suite nous dire qu'il faut freiner sur l'entraînement. C'est vraiment la priorité, c'est les résultats. On est là pour étudier, c'est très clair. Et on le sait que le sport, c'est très bien, mais que... Il faut vraiment qu'on réussisse nos études. Contrairement aux États-Unis, le sport n'est donc pas une porte d'entrée à Oxford. Le monde sportif évolue à grands pas et depuis sa professionnalisation, les choses ont bien changé, comme nous l'explique John Roycroft, en charge des sports à Oxford. Je pense que le nombre de sports différents dans lesquels nous excellons aux Jeux Olympiques est incroyable, et ce depuis des années. Je pense que les choses ont changé récemment avec le professionnalisme qui est arrivé dans de nombreux sports olympiques depuis 20 ou 30 ans. Cela veut dire qu'ils ont diminué à Oxford et que nous ne sommes plus capables de produire autant de top athlètes que par le passé. Le fait de devoir choisir entre une vie universitaire de haut niveau et une vie de sportif de haut niveau est de plus en plus difficile, et cet écart va continuer à se creuser dans le futur. Cela va devenir de plus en plus difficile de concilier ces deux aspects d'une vie. À venir après la pause, un résumé de la convention de Sportaccord à Sotchi, la candidature de Bucarest soutenue par Nadia Comăneci, mais également une interview exclusive de Gabriela Szabo, ancienne championne d'athlétisme et aujourd'hui ministre des Sports en Roumanie. When education meets sport and culture, what best promotes excellence in mind and body? Where do friendship, integrity and achievement meet? La Fédération internationale du sport universitaire rassemble des millions d'étudiants du monde entier autour des mêmes valeurs, l'excellence du corps et de l'esprit. Des milliers d'étudiants, des centaines d'universités participent aux événements FISU, le rendez-vous des meilleurs athlètes étudiants. Star aujourd'hui, leader demain. Which event gathers the best student athletes from around the world? The Universiade, the home of international university sports. Today's stars, tomorrow's leaders. La 13e édition de la convention de Sportaccord s'est déroulée en avril dernier à Sotchi, en Russie. De nombreux participants étaient présents cette année, fédérations sportives olympiques et non olympiques, représentants du CIO ou encore responsables des fédérations sportives de 66 pays. Tous étaient présents dans un même objectif. C'est une raison d'être ici, de formaliser de plus en plus de liens avec des fédérations internationales. Sans ça, on n'arrive à rien. Il faut concerter les calendriers, il faut... rassembler les hommes, on a besoin d'arbitres, on a besoin de techniciens, on fait du multisport. La convention a permis de signer plusieurs accords avec les fédérations, et notamment celle d'athlétisme et de canoë. La FISU en a également profité pour promouvoir les universiades. We
Nous sommes ici avec deux prochains comités d'organisation, Almaty et Taipei. C'était important de profiter de ce rendez-vous de Sochi où tous les acteurs du monde du sport sont présents pour montrer que nous avons deux bons comités d'organisation et de bonnes universités d'avenir au Kazakhstan et à Taipei. Pour Taipei, c'est très important car ce sera le premier grand rendez-vous sportif multisport dans ce pays. And that's why it's important for them. It will be the best way for them to promote the city of Taipei, but also the whole country. C'est effectivement Taipei qui organisera les universiades d'été en 2017, tandis qu'Almaty accueillera les universiades d'hiver dans deux ans. Un tiers de la population d'Almaty a moins de 30 ans. Les universiades vont donc certainement jouer un rôle essentiel. Nous sommes absolument sûrs que les universiades d'hiver et d'été vont donner une impulsion incroyable pour le développement du sport chez les jeunes et rendre notre nation en meilleure santé. Après le succès de Kazan, une autre ville russe accueillera les universiades. Située au nord-est du pays, Krasnoyarsk sera en charge des festivités hivernales en 2019, une occasion unique pour les étudiants et pour les athlètes. Je crois que les universiades sont une chance unique de montrer que l'on est membre d'une grande équipe, de devenir représentatif d'une université, d'un pays, d'une ville. Je pense que c'est l'un des buts de l'éducation. 41% de la population a moins de 30 ans et la ville compte plus de 100 000 étudiants. Parmi eux, nombreux sont ceux qui participent déjà aux compétitions nationales et internationales. Nous ne sommes qu'en 2015, mais déjà plusieurs villes ont annoncé leur volonté d'organiser les Universiades en 2021. Deux candidates se sont en effet déclarées. Éric Saint-Tron, le secrétaire général de la FISU, nous en dit plus. Nous avons déjà des candidats d'un bon potentiel. En Europe, je peux dire que l'on est déjà en contact avancé avec Bucarest, en Roumanie. Pour l'hiver, en Suisse, nous avons Lucerne. Je peux le dire car c'est déjà sorti dans les médias. La candidature roumaine est appuyée par plusieurs légendes comme Gabriela Szabo et Nadia Comăneci. Lors des 11e universiades d'été à Bucarest, la quintuple championne olympique de gymnastique avait remporté 5 médailles d'or. C'est donc avec beaucoup d'envie qu'elle soutient cette initiative. Actuellement, il y a un énorme enthousiasme pour Bucarest. La Roumanie est candidate pour accueillir de nouveau les Jeux universitaires à Bucarest. Si la Roumanie a déjà officiellement annoncé qu'elle déposerait sa candidature pour les universiades d'été de 2021, le gouvernement du pays doit encore donner son feu vert. La Roumaine Gabriela Szabo est une parfaite illustration du slogan de la FISU, star d'aujourd'hui, leader de demain. Parfois, les anciens athlètes s'offrent une deuxième carrière et c'est le cas de l'ancienne championne. Gabriela Szabo a en effet été nommée ministre de la Jeunesse et des Sports l'an dernier en Roumanie. Je dois admettre qu'avoir été nommée ministre a été une grosse surprise pour moi. Une fois que j'ai terminé ma carrière sportive en 2004, j'ai réalisé que j'étais fatiguée et que mon corps et mon esprit n'étaient plus capables de supporter de tels efforts. C'était une surprise pour tout le monde car la décision était très brutale et personne ne s'y attendait. Je ne me sentais pas de participer à d'autres Jeux olympiques et je préférais que les gens aient un bon souvenir de moi, sur le podium par exemple. Avant de devenir championne olympique sur 5000 mètres lors des Jeux de Sydney, Gabriela Szabo a marqué les Universiades en remportant deux médailles d'or sur 1500 et 5000 mètres à Fukuoka en 1995. Deux ans plus tard, en Sicile, nouvelle médaille d'or sur 1500 mètres. De nombreux succès pour la Roumaine qui n'a pourtant jamais mis ses études entre parenthèses.
Je n'ai jamais négligé ma scolarité et mes professeurs étaient très compréhensifs. J'ai rapidement réalisé que l'école était très importante et qu'elle était aussi importante que les bonnes performances sur le plan sportif. La triple championne du monde est quadruple médaillée lors des championnats du monde en salle et très proche des étudiants et de la population. Elle est même devenue un modèle pour son pays. Mon message est le suivant. Tout ce que l'on fait, il faut y mettre de la passion. Il faut trouver la motivation d'avancer sans jamais abandonner. Il faut être passionné dans tout ce que l'on fait et il faut s'y consacrer à 100%. C'est comme ça que j'ai accompli des choses dans ma vie. Je les ai toujours faites avec le cœur et avec passion. Parce que sinon, ça ne marche pas. C'est vraiment très important de rêver et de vouloir être la meilleure. Être la meilleure chaque jour, Gabriela Szabo relève le défi et enchaîne les succès pour ne pas décevoir son pays. Elle était une star dans sa discipline et grâce à sa volonté, elle est désormais devenue une figure incontournable en Roumanie. C'est donc sur ces images que ce campus se termine. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Star aujourd'hui, leader demain.